a strange thing that drains inside. Why'd you think you're wrong? Like a strange thing that comes and goes, but we can never hold on. Whatever comes to your life, whatever comes to your heart, if you can learn the rules of time, so you don't lose your way. Talk about life like a no-gain. You may win or lose, but it still remains the same. Whatever comes to your life, whatever comes to your heart, if you can feel the deeper side, prepare to change. Now we've got to open our hearts, we've got to open our hearts and give in. Now we've got to open our hearts, we've got to open our hearts and leave it. And leave it to life. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, mesdames les conseillères départementales, ainsi que monsieur le conseiller départemental et monsieur Chevillot, il cumule toutes les fonctions de maire de Maury, conseiller départemental, voilà. Mais il me revient immédiatement la charge, je veux dire, d'excuser Madame Ségolène Neuville, donc, qui est secrétaire d'État. J'aime bien l'appeler Madame la Ministre lorsque nous l'avons rencontrée l'année dernière. À toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris une part active à ce moment de partage, à ce moment positif dans une société qui est souvent traversée, trop souvent, par des moments difficiles et moroses. Au vu de sa maladie, il a du mal à se gérer sur certains points, comme tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est ses activités, justement. Bonjour. Adoré. Ça allait vite, hein? Ouais. Ouais. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur le Centre des Stagiaires. Les activités sociales aujourd'hui sont un outil indispensable dans la vie des électriciens et gaziers, et j'aurais tendance à dire au-delà des électriciens et gaziers. Aujourd'hui, notre démarche, elle est sur plusieurs volets. Le volet de la solidarité, les maîtres mots de l'organisme sont solidarité, dignité, justice. Aujourd'hui, des activités sociales ont fait le choix politique sur la SMCS de Pyrénées-Orientales, sur les deux départements, environ 7000 électriciens gaziers touchés, de faire un choix sur lequel nous orientons 50% de notre budget sur de l'action sociale. L'action sanitaire et sociale, pour nous, c'est un des éléments forts au travers de au centre de vacances, pour accueillir aujourd'hui des jeunes filles, des jeunes hommes, des fils d'agents, filles, parents, en situation de handicap. Et je pense que la plus belle démonstration, ben, elle est ce soir, avec Emmanuel, avec l'association qui a pu aujourd'hui construire le parcours pour aujourd'hui arriver à aider efficacement une personne en situation de handicap. Vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cette jolie initiative. Bien sûr, Jean-Luc pour pour l'accueil sur le centre qui est toujours de très très bonne qualité, mais également le président et l'ensemble des responsables de l'association Andy, sur lequel nous avons travaillé autour de Andy Golf, avec un accueil sur l'institution de Saint-Cyprien et ce soir sur Estagé. Mesdames et messieurs, messieurs les administrés, je vous remercie de votre présence à toutes et à tous. Je rends la parole, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est bien d'avoir ce moment important où on peut se fédérer sur une initiative qui a du sens. Merci à vous. Parce que l'association
américaine ne voulait pas nous donner le concept tant qu'on ne pouvait pas prouver que l'on était capable de parrainer 5 chiens pendant 4 ans. Alors je veux vous assurer, moi je n'avais pas de sous, je n'avais pas d'argent. Or, on vous a dit tout à l'heure, 13 000 euros le chien. Donc il fallait vraiment les convaincre pour... Moi, je devais les convaincre pour dire oui, j'y tiens, je veux, j'y crois. C'est une mission. Et une mission que j'ai faite au départ avec mes élèves. Et un peu avec laquelle elle s'est battue. Et surtout, ses regards, ses regards. Pendant ce reportage, pendant ces diapos qui ont été regroupées avec les photos de... Emmanuel, ton loulou te suivra partout et te fera beaucoup de plaisir. Il s'agit de Pipi. On ne le voit pas forcément sur les images, mais nous, nous savons ce qui se passe hein, dans vos têtes pendant un stage. Tu as tenu bon, tu t'es battu et tu es parti avec Limpou. Et là, on voit bien la relation, la complicité qui s'est installée déjà entre eux deux. Oh, ben, la remise, elle est rapide, hein? Elle est trop vite, non, c'est pas maintenant. On va l'en mettre tout à l'heure, je sais qu'elle est impatiente de le recevoir à Limpou. Impatiente, hein? Oui. La communication, c'est pour les personnes dans la rue, c'est difficile d'établir une conversation. Hein? Le handicap, on craint un peu le handicap. Ensuite, ces chiens d'assistance sont remis également aux personnes atteintes de maladies évolutives telles que les myopathies. Et là, on remet des chiens à des enfants myopathes le plus tôt possible, surtout dans le cadre. C'est très important. On veut que le chien il soit bien dans sa tête. La preuve, vous voyez, une poule, là, il est. Moi j'ai un petit défi à vous lancer. J'ai vu avec plaisir qu'il y avait Tiffaine dans la salle. Et puis Tiffaine, j'ai fait sa connaissance au printemps dernier. Elle a craqué pour mon chien. J'étais venue à l'époque avec lui faire une démonstration à Perpignan. Et je pense qu'elle a demandé à nom du chien. Donc s'il vous plaît, aidez-nous à financer ce chien pour qu'elle puisse l'avoir bientôt. C'est pas toujours facile d'entrer dans les restaurants, d'entrer dans les magasins. C'est souvent un échange. Des fois, pas facile. Hein. Les commerçants n'ont pas encore la démarche et n'acceptent pas facilement les fauteuils. Ils ont plus l'habitude de voir des personnes avec un chien guide d'aveugle qu'un chien. C'est pas encore bien connu et une mentalité devrait changer. Et... Voilà, le dit bonjour, donc il salue avec sa patte, il salue Emmanuel. Bon, alors, je vais vous présenter un coup. Il a de blanc, il met énormément dans la vie quotidienne. Il est très câlin, donc je le vois plus. Du coup, ça me stresse un peu. Mais c'est pour ça que j'ai toujours des friandises dans ma poche. Est-ce que tu peux nous dire quel type de friandises tu lui donnes? Alors, pour que le capel jolie en donne un peu particulier, c'est du gruyère ou du cervelat. Du gruyère ou du cervelat, vous imaginez? Merci Jean-Pierre, merci Emmanuel pour ce témoignage. Mais je ne vais pas te laisser seulement au témoignage, tu vas nous faire travailler Impou, d'accord? On va là. Encore. Aboua, aboua, Impou.
Voilà. Il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. Il est dans sa main. C'est très bien. Voilà, montre, laisse bien. Plus responsable, plus autonome. On n'entend plus « Maman, j'ai fait tomber !»« Maman, viens chercher, j'ai fait tomber !» Non, c'est terminé. Elle se débrouille avec son chien. Oui, autonome dans la maison. Et puis, bon, c'est vrai, responsable aussi. Et puis, surtout, le regard des gens sur elle a changé. Donc, comme vous l'a précisé, M. Mallet, je n'oublie pas l'implication de la CCAS dans le monde du handicap. C'est un partenaire à l'écoute qui nous a suivis sur Handigolf en assurant l'hébergement des handigolfeurs durant 2 jours. Merci à Marie-Claude d'être venue d'Alençon, malgré un emploi du temps plus que chargé. Merci à toi, Jean-Pierre. Sa présence apporte le bonheur, le sourire, la joie, et va rendre la vie d'Emmanuel et de sa famille beaucoup plus facile. Learn the rules of time so you don't lose your way. Sometimes you're gonna feel lonely, but sometimes